Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les tables dans Microsoft Excel. Les bénéfices que vous pouvez avoir et les facilités pour utiliser les tableaux dans Microsoft Excel. Nous avons un exemple ici. Nous avons une table. Au début, on ne va pas utiliser les tables. On va faire ici la somme des quantités. Je fais égale somme des quantités. Donc, je sélectionne B2 jusqu'à B8. Et voilà le résultat. La même chose pour somme des prix. Je sélectionne les données. Supposons qu'on a ici notre variable. Alors, comme vous voyez ici, il n'y a pas d'actualisation de la formule. Donc, pour avoir ça, ce qu'on va faire, on va annuler CTRL-Z. Et on va ici sélectionner cette table. On va cliquer sur n'importe quelle cellule. Et puis, insertion en tableau. C'est la table ici, le tableau, si je fais OK, voilà le résultat. Donc maintenant, on peut refaire ces formules-là. Et vous allez voir, il y aura des facilités simples. On va faire égal somme. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la colonne de quantité, je ferme, j'ai le résultat. Si j'ajoute un autre item, on va l'appeler A. Si la quantité C va faire 1000, remarquez bien, la cellule G1, immédiatement, il est mis à jour. Si le prix unitaire, vous voyez ma formule ici, est calculée sans votre intervention. Vous n'avez pas besoin de faire ici l'intervention. Maintenant, la valeur maximale des quantités, max. La valeur maximale des quantités, on va faire égal max. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne. Immédiatement, j'ai les données de la colonne B. Imin. Min du prix unitaire. On va faire égal min, le minimal du prix unitaire. Je sélectionne C. Et j'ai immédiatement le résultat. Supposons ici que j'ai un autre item, j'ai P. La quantité, c'est, vous voyez immédiatement les calculs, les formules se calculent sans votre intervention. Mais si le prix unitaire, c'est juste 3 euros, remarquez bien cette donnée-là, la cellule G5, immédiatement, elle me donne le résultat. Et la formule est calculée. Donc voici quelques intérêts d'utilisation des tables dont Microsoft Excel. Bien sûr, une autre utilisation ici, si vous voulez le prix, il suffit d'écrire égal la quantité étoile fois le prix unitaire. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de copier la formule en bas. Vous validez immédiatement, vous avez ici les données. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.